entendons des chrétiens dire, je souffre tellement que je n'ai plus la force pour prier. Je laisse Dieu faire sa volonté. Quelle erreur! Quelle erreur! C'est justement quand on n'a plus la force, ni quand on n'a plus l'envie de prier, qu'il faut le faire. Le kairos, le moment favorable de la prière, c'est quand tout semble t'interdire de prier. Quand tu n'as plus envie de prier, c'est le kairos, le moment favorable de la prière. Quand tu n'as plus envie. Parce que là, prier devient un sacrifice et notre Dieu aime beaucoup les sacrifices. Quand tu as envie de prier, bon, c'est pas un sacrifice, c'est un plaisir pour toi. Mais c'est quand tu es en crise, tu n'as pas envie de prier, tu n'as pas la force de prier et que tu pries, ta prière devient puissante parce que ta prière en elle-même devient un sacrifice. On comprend alors les impératifs de notre Seigneur lorsqu'il dit « demander, chercher, frapper ». Dieu dit « nous n'avons pas le choix, nous sommes obligés, c'est un impératif ». Dis à ton voisin, tu dois prier. Dis-lui, tu es obligé de prier. Avec les problèmes que tu as là, avec les difficultés que tu traverses, tu es obligé. Toi, tu n'aimes pas l'occultisme. Toi, tu n'aimes pas les fétiches. Tu ne peux pas tenir dans ce monde-là. Tu es seulement chez Dieu. Tout ce que tu peux faire, c'est prier. Tu dois prier. Dis-lui, tu n'as pas le choix. C'est un impératif catégorique. C'est un impératif catégorique. Pour bien entrer dans la pensée de Jésus sur la prière, il faut donc considérer les trois verbes demander, chercher, frapper comme des étapes de la prière et non seulement comme des synonymes. Nous interprétons souvent ces textes en pensant que demander, chercher, frapper, ce sont des synonymes. Non. Je voudrais que nous puissions le considérer comme des étapes. Demander, c'est quoi? Demander, c'est la première étape. Quand tu es comme un enfant qui a déjà mangé, qui est rassasié et qui demande à son père des bonbons, c'est la première étape. Papa, donne-moi des bonbons. C'est-à-dire, même si tu ne me donnes pas bon, je ne vais pas mourir. Parce que l'enfant est déjà rassasié. C'est comme quelqu'un qui a mangé, qui demande des cure-dents. Donne-moi des cure-dents. C'est-à-dire, même si tu ne me donnes pas, c'est pas grave. Là, nous sommes dans la première étape de la prière. Demande. Je demande. C'est-à-dire, bon, si tu me donnes, ça va. Si tu ne me donnes pas, bon, ça ne fait rien. Deuxième étape. Quand tu as demandé et que peut-être on ne t'a pas donné, tu changes. Tu améliores. Tu commences à chercher. Tu ne demandes plus. Demander, je peux te demander. Papa, donne-moi. Mais chercher, je m'engage, je commence à chercher, je commence à chercher, je monte, je cherche à aller prier sur la montagne, je vais au désert, j'entre dans une retraite, je cherche une récollection, j'organise 3 journées de prière, je commence à chercher. Je ressens maintenant le besoin. Je ne suis plus au niveau de la demande, simple demande, oh bon, donne-moi, mais sous-entendu, même si tu ne me donnes pas, je vais me débrouiller ailleurs. Même si tu ne me donnes pas, je vais me contenter de ce que je suis, de ce que j'ai. Chercher là, on fait un pas de plus. On quitte la maison, on commence à escalader les montagnes, on cherche des neuvaines, on se pose des questions sur comment prier pour toucher le cœur de Dieu. Et enfin, la dernière étape, quand on a grandi dans la prière, c'est la frappe. J'ai demandé, ça n'a pas marché. J'ai recherché, ça n'a pas marché. Maintenant, je vais frapper. C'est le degré le plus élevé de la prière. On frappe quand on est déjà à la porte de son miracle. Donc, pour frapper, il faut être à la porte. C'est-à-dire, celui qui commence à frapper est déjà à la porte de son miracle. Il est déjà à la porte de sa grâce. Il est à la porte de sa bénédiction. Anne, Jaébetz, l'ami importun et la veuve importune, l'ont atteint. Ils ont atteint ce degré de la prière. Ils étaient à la porte. Quand vous entendez quelqu'un qui prie,
prie, on dit, et Yahweh lui accorda ce qu'il avait demandé. C'est que cet homme-là était déjà à la porte en train de frapper. Il n'était plus au niveau de la demande, il n'était plus au niveau de la recherche, mais il était déjà arrivé à la porte et il a frappé et on lui a ouvert la porte. Il a frappé et il a reçu son miracle. Le drame pour les chrétiens, c'est d'ignorer l'étape où l'on est. Tu es à quelle étape dans ta prière? Tu es au niveau de la demande? Tu es au niveau de la recherche? Ou tu es au niveau de la frappe? À quel niveau es-tu? À quelle étape es-tu dans ta prière? Voilà la question que Dieu nous pose ce matin. Il y a des prières que tu fais à Dieu et Dieu sent que tu es au niveau de la demande. Seigneur, donne-moi un travail. Dans l'entretemps, bon, tu travailles déjà quelque part, tu as ton salaire, on te donne $50, $500. Et tu es plus ou moins satisfait. Alors tu fais des prières, Seigneur, parce qu'en même temps que tu demandes, tu as un salaire de $500. Tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi un bon travail où je peux avoir un grand salaire. En même temps que tu dis ça, tu injuries tes voisins d'être des pauvres. Donc toi, tu te considères comme riche. Donc tu es au niveau de la demande. C'est tu dis à Dieu, Seigneur, même si tu ne me donnes pas, mais j'ai déjà mes $500, je suis déjà plus ou moins bien. Et ça t'empêche de bien prier. Toi, tu cherches le mariage, mais tu as un fiancé ou un mari d'autrui avec qui tu sors. Alors, tu ne vas pas prier comme celui qui n'a personne. Tu vas prier, bon, Seigneur, si tu peux me donner le mari, c'est bon, mais même si tu ne me donnes pas, j'ai quand même le mari d'autrui avec qui je sors. Mais quand tu n'as rien, tu vas prier autrement. Tu sentiras que c'est une question de vie ou de mort. Et là, tu entreras dans la recherche. Et après la recherche, tu arriveras à la porte. Et là, tu frapperas et le Seigneur ouvrira. Tu es à quelle étape? Quand tu pries, comment Dieu te regarde-t-il? Comme quelqu'un qui est vraiment dans le besoin ou comme quelqu'un qui demande le superflu? Comme quelqu'un qui demande à Dieu des cure-dents après avoir mangé? Parce que si tu manges et que tu n'as pas de cure-dents, ce n'est pas quand même la fin du monde. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui est mort par manque de cure-dents. Oh, il est mort par manque de cure-dents. Il est mort parce qu'il n'a pas eu le bonbon qu'il voulait. Non! On se passe du bonbon. Est-ce que la grâce que tu demandes à Dieu, est-ce un cure-dents ou un bonbon? Une fois que nous avons compris cette maturation dans la prière, nous devons aussi croire à la précision divine. Et l'Éternel lui accorda ce qu'il avait demandé. Le Seigneur ne nous donne ce que nous lui demandons que si le fond et la forme de notre prière correspondent. Le fond et la forme de la prière doivent correspondre. J'ai un tel problème, c'est ça le fond, mais voilà comment je vais le présenter devant Dieu. Quand le fond et la forme ne correspondent pas, il y a un problème. Donc, tu as un grand problème, mais tu demandes comme si ce n'était pas un problème. Il y a des choses comme ça qui peuvent être un signe de foi. Mais encore faut-il le prouver. Jésus devant la tombe de Lazare, quand il prie, on sent qu'il a une grande intimité avec son Père. Mais toi qui n'as pas une grande intimité, tu n'as même pas d'intimité avec Dieu. Tu as un grand problème. Tu veux prier comme Jésus qui a une grande intimité avec Dieu. Il faut d'abord dire, moi je n'ai pas de grande intimité avec Dieu. Moi il faut que je supplie. Il y a des prières qu'on laisse à Jésus. Nous devons supplier. Le Seigneur ne donne raison à notre raison que lorsque notre besoin de prier devient aussi fort que celui de manger, de dormir, d'aller aux toilettes. Vraiment, de la même manière que j'ai envie de manger, j'ai envie de prier. Je sens qu'il le faut. Je sens que je ne peux pas faire autrement. J'ai envie de dormir. C'est fort, c'est plus fort que moi. Je dois absolument prier. J'ai une dette. Comme les Quinois disent que il y a une dette qu'on finit toujours pas payer. La dette du sommeil. Si tu dois le sommeil, au sommeil, tu dois absolument payer. Tu vas dire non,
même si tu ne dors pas aujourd'hui, tu dormiras même pendant l'enseignement.